C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. J'ai passé 6 ans sans faire l'amour. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. J'avais 28 ans quand j'ai rencontré Élodie. Notre histoire a duré 2 ans, aussi forte que chaotique. J'étais très amoureuse, malgré toutes les difficultés que nous rencontrions. Le manque d'abord, puisqu'elle vivait en province et se disait incapable de faire sa vie à Paris avec moi. Elle sortait d'une rupture douloureuse. Je laissais le temps panser ses plaies. J'avais rarement connu une telle complicité intellectuelle et je l'admirais suffisamment pour que cela compense son absence d'appétit sexuel. Élodie était très complexée, mais moi, je la trouvais belle et je pensais que je finirais par l'apprivoiser. La seule chose face à laquelle je ne me sentais pas de taille était son addiction à l'alcool, qui gâchait souvent le peu de soirées que nous avions ensemble. Et un soir, l'ivresse aidant, elle m'a raconté des étoiles plein les yeux qu'elle avait fait la rencontre d'une grande écrivaine et que cette femme l'avait encouragée à écrire. Or, Élodie avait toujours rêvé de paillettes et de best-sellers. J'avais ressenti une pointe de jalousie que j'avais fait taire. Nos week-ends étaient si courts. Quelques temps plus tard, j'ai organisé son anniversaire surprise, un soir avec tous ses amis, et je l'ai appelée pour lui annoncer mon heure d'arrivée en gare. Glaciale, elle m'a répondu. Non, Romane, ne viens pas. Ne viens plus, c'est terminé. Sans aucune explication. J'ai appris par la suite que quelques semaines plus tard, elle était montée s'installer à Paris, avec la grande écrivaine. La violence du choc a été si rude que j'ai plongé. Pendant des semaines, j'ai pleuré sans discontinuer. C'est mon histoire. Jusqu'à ce que je tente de tourner la page. Via le site où j'avais rencontré Élodie, j'ai fait la connaissance d'une femme. Jolie, intelligente. Nous nous sommes donné rendez-vous. Et plus la discussion avançait, plus je me rendais compte à quel point, en d'autres temps, j'aurais pu l'aimer. Sauf que, au fond de moi, la seule chose que j'entendais, c'était « Je ne peux pas, pas. Je ne peux pas, pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. » Je suis donc rentrée chez moi, seule. La suite s'est imposée comme une évidence. Si Élodie m'avait déçue, je me décevais plus encore. C'était la 3e fois que j'étais trahie par une femme que j'aimais. Et dans des modalités assez proches. À ce niveau de répétition, je ne pouvais pas être que victime. Cela venait aussi de moi. Enfin, plus exactement, de mon manque d'amour pour moi, qui me faisait le rechercher si fort auprès des autres. En fait, je le comprenais peu à peu. Depuis le début de ma vie amoureuse, j'étais si avide de liens que à peine je sentais un petit quelque chose, je me précipitais. Mais sans jamais me demander si l'autre me correspondait. Ce soir-là, j'ai dit stop. J'ai décidé de tout arrêter. Le temps d'apprendre à me connaître, à savoir ce que je voulais vraiment. C'était de moi que j'allais désormais m'occuper. Je referais l'amour le jour où je me sentirais guérie de mes manques. Immédiatement, je me suis désabonnée du site de rencontre et j'ai cessé de sortir le soir, pour ne pas être tentée. Bon, au départ, ça n'a pas été facile. J'étais tellement verrouillée que personne ne m'approchait. Ce qui m'allait très bien. En fait, ma rupture m'avait passablement écœurée. L'idée d'effleurer une nouvelle peau, ça m'attirait pas du tout. En outre, j'ai un mental très fort. Rien n'aurait pu me faire dévier de la feuille de route que je m'étais fixée. De toute façon, moins on pratique, moins on y pense.
Assez vite, je n'ai donc plus ressenti ni désir, ni fantasme, ni frustration. C'est un peu comme l'arrêt du tabac. On finit par être sevré. Et je l'étais d'autant plus facilement qu'au même moment, je connaissais de vraies satisfactions professionnelles. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.